niveau de la situation actuelle, Monsieur Keller, si vous voulez dire quelques mots. La situation actuelle est, je dirais, relativement bonne. On a eu peur ce printemps, à mi-mars, là, quand il y a eu cette période de confinement, avec la fermeture des restaurants. Pour nous, ça a été un manque à gagner assez important. Mais dès que les restaurants ont été ouverts, on a vu de nouveau les ventes repartir. Et ce qu'on a aussi constaté, c'est que les privés, nos ventes aux clients privés ont bien augmenté. Donc ça n'a pas complètement comblé les manques, mais disons, c'était assez intéressant de voir. Et aussi beaucoup de Suisses allemands qui sont de nouveau intéressés au vin de la région, ce qui est pour moi un signe assez positif. Qualité exceptionnelle à nouveau cette année, avec des sondages vraiment hauts et magnifiques qui laissent présager un millésime de nouveau splendide. Au niveau des quantités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 22% de baisse par rapport à nos acquis globaux. Donc une petite récolte pour la cave des 13 coteaux. Suivant les cépages des Chasselas qui ont eu un bon rendement, par contre des pinots noirs avec des rendements vraiment catastrophiques, vraiment limités. Mais vu la situation générale, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Plutôt pour les vignerons, les sociétaires qui auront un manque à gagner. Mais par contre, pour les caves, c'est plutôt positif. De cette année, il y a eu un mois de septembre qui était beau jusqu'au jeûne, et le premier jour qu'on a commencé les vendanges, on a commencé avec de la pluie qui s'est étalée sur 15 jours. Donc c'est vrai que pour nous c'était assez difficile, autant pour le bureau des vendanges, autant que pour nous en tant que propriétaires, autant que pour la cuisine aussi, parce qu'il faut penser que les gens doivent manger. C'est vrai que si on est à table, si on est deux ou bien si on est 12, c'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'on doit toujours jongler s'il pleut pas, si on démarre pas, démarre plus tard, démarre plus vite, on finit plus vite. C'est toujours, on doit jongler avec ça. Mais de l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Et puis la vendange est excellente. Et puis, buvons local.